Entre les femmes combattantes et les femmes soumises, quel type de femme aimerais-tu avoir? Avant de poursuivre, j'aimerais partager avec toi une histoire qui a eu lieu pas très loin d'ici, mais qui va te permettre de comprendre le choix de la femme, de la copine que tu veux. Mais n'oublie surtout pas que cette fille que tu veux, ce garçon que tu cherches, lui également te cherche. Peut-être même plus que toi, tu le cherches. Alors, il n'y a pas longtemps, une jeune fille, très belle, gamme 9 sur 10, 8 sur 10, bien potelée, avec des bonnes paires de fesses, bonnes paires de seins, slim waist, tu peux donc t'imaginer dans la tête quel style de fille je parle d'ici. Eh bien, elle avait eu des difficultés à rester dans les relations un peu longtemps. Donc, sa dernière relation datait donc de 6 mois. Et elle s'était dit, non, il faut que je prenne un break. Parce que le dernier, on l'avait beaucoup trompé. Il avait mis sur salaire en disant chaque mois je t'envoie 30 000 pour que tu prennes soin de toi. Il a payé seulement une seule fois. Après, il n'a plus jamais donné l'argent. Il trompait seulement la fille. Eh bien, après ça, quand la fille est partie de cette relation-là, elle a décidé qu'elle devait prendre soin d'elle. Voilà alors que elle décide de tomber encore amoureuse. Mais cette fois-ci, elle tombe amoureuse d'un gars qui est dans une autre ville. Et elle est très excitée du fait qu'elle va aller rencontrer ce gars-là. Elle part donc rencontrer le gars finalement. Et lorsqu'elle rentre, je la demande. Elle ne me dit même pas comment ça s'est passé. Je dis que, ben, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas partager avec moi? Je prends quand même mon courage, je la demande, mais comment était ton voyage? Elle me dit, elle dit en anglais, I cannot date that guy. J'ai dit, comment était ton voyage? D'où vient-il que tu commences à répondre que tu ne peux pas sortir avec le gars? En réalité, elle me dit directement, le gars est trop court. Et le gars est chiche. Il dit, Eki, quel des deux? Il est court, mais est-ce que tu veux le marier? Il n'est pas seulement sortir avec lui. Il dit que non, je ne veux pas sortir avec le gars. Et puis elle renchérit encore, il est chiche. Et je me suis dit, ah, il y en a quelques regrets dans le voyage que la fille s'y a fait. Il faut dire que c'est une fille qui ne peut pas mentir parce que bon, elle se confie beaucoup à moi, elle me voit comme vraiment comme un mentor. Et je me suis donc dit, ah, ça. De toutes les façons, moi je pensais que c'est seulement sortir avec lui, pas le mariage. Parce qu'à un certain âge, même le mariage, qu'il soit chiche, qu'il soit court, on prend seulement. À partir de 30 ans, c'est ce que les femmes font le plus souvent. Mais revenons dans notre sujet. Il est donc question de savoir, lorsque tu veux sortir avec une fille, tu pars vers une fille soumise ou alors une fille, comment on va dire, féministe, c'est-à-dire une fille qui défend ses droits. Quel style de fille est-ce que tu vas préférer? 80% des personnes vont te dire, va vers la fille soumise. Surtout tes parents, surtout tes frères, surtout tes soeurs, surtout tes amis. Elles vont te dire, ils vont te dire, va vers la fille soumise. Maintenant, je vais encore poser une autre question. Quand tu veux quitter un bon boulot, peut-être qu'on te paye bien, tu es propre, tu es classe, pour te lancer dans ton propre business. Tu pars vers les mêmes personnes. Ça peut être les membres de ta famille, tes soeurs, ta mère, tes amis. Tu leur dis qu'il te vient à l'idée de quitter ton boulot pour te lancer à ton propre compte. Quelle est la réponse que tu penses qu'ils vont te dire? Ils vont te dire que non, ne quitte pas ton boulot. Pourquoi? Toi, tu ressens l'envie d'aller te lancer à ton propre compte. Mais ils vont te dire que le salaire que tu prends là, tu ne dois pas avoir ça si tu te lances à ton propre compte. Si tu vois les grands artistes aujourd'hui, ça fut leur histoire. Les parents n'ont jamais voulu que je chante. Les grands footballeurs, même Samuel Eto'o une fois, a attesté au fait que ses parents ne voulaient jamais qu'il joue au foot. Mais voilà ce qu'il est devenu. Daphné avait dit ça également une fois. Alors, si tes parents, tes amis, tes soeurs peuvent te conseiller de ne pas quitter ton boulot pour suivre ton cœur, est-ce que tu penses que ces mêmes personnes-là sont mieux placées pour te conseiller sur le style de fille ou bien de gars qu'il faut chercher? Point d'interrogation. La vérité, ce qu'on recherche, se retrouve le plus souvent vers là où il y a danger, vers là où il y a la peur, vers là où il y a le not go there, red signs. Donc, si je suis un jeune homme et je cherche une fille pour être ma copine, je n'irai pas forcément vers les filles soumises. Parce que c'est ça, la sécurité.
tu n'as pas besoin de faire les efforts chez une fille qui est en train de jouer le rôle de soumise. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que la soumission? Si le premier né chez vous, c'est une fille, et le deuxième, c'est toi, garçon, est-ce que quand vous êtes petit, il y a la loi de soumission? Non. Au contraire, tu es obligé de respecter ta grand-sœur. Tu crois que si tu passes ta vie à respecter ta grand-sœur, vous n'êtes que deux à tes parents. Demain, elle entre dans un mariage, on la parle de soumission. Elle va comprendre ce que ça veut dire. Mais, elle va jouer le rôle d'une femme soumise. Attention, il faut te méfier de quand on joue un rôle et quand on déploie sa personnalité. La femme en question va jouer le rôle d'une femme soumise. Ça peut durer 6 mois. Ça peut durer 1 an. Ça peut durer 2 ans. Question pour elle de mettre ses pieds sur le sol. Et une fois que ses pieds sont au sol, elle est donc capable. Donc naturellement, le choix doit être porté vers ce qui est difficile, ce qui apparaît dangereux. Question d'apprendre. Parce qu'une fille soumise veut dire une fille qui est en train de jouer un rôle. Il n'y a rien qui existe comme la soumission. Comment un être humain peut être soumis à un autre? Non. Elle joue le rôle en attendant d'être stable. Une femme qui t'appelle Dati, papa, oye, kaka, donne-la 200 000 de salaire pendant 1 an. Au bout du 12e, elle doit t'appeler tous les noms là. Elle va t'appeler. Si ton nom c'est Cyril, elle va dire Cyril. Quand le compte bancaire de la femme est lourd, il y a des choses qui... Elle n'a plus besoin de toi. Tu t'amuses, elle va déménager. Et la femme n'a pas pitié. La femme que tu vois là n'a pas pitié. Donc, pendant ce temps, tu t'aurais affaibli en attendant que la femme, en attendant que quelqu'un lave tes habits, que quelqu'un repasse tes habits, que quelqu'un te sert à manger. Non, le monde est en train de changer, cher jeune frère. Le monde change. Il faut apprendre à faire toutes ces choses par toi-même. Si tu as une femme ou bien une copine qui de temps à autre fait ça pour toi, appelle ça bonus. Celle qui t'aime, quand tu vas donner de l'argent, elle va naturellement faire les autres. Ça serait un bonus. Mais ne sois pas le genre de personne qui reste croisé les bras et attend que c'est la femme. Non. Tu serais puni doublement. Parce que tu ne serais pas capable de laver tes habits. Et pourtant, quand tu étais petit, tu le faisais. Tu l'avais même pour tes parents. Tu ne serais pas capable de préparer. Tu ne serais pas capable d'aller au marché faire du shopping. Tu ne serais pas capable de faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on t'a vendu l'illusion qu'une femme soumise est ce que tu veux. Non! Elle joue un rôle. Ce n'est pas sa personnalité là-bas. Elle joue un rôle. C'est le film. Pareil pour les femmes. Les jeunes femmes disent qu'ils veulent un homme masculinity. C'est-à-dire la masculinité, le testostérone. Qui veulent un homme que son testostérone est high. Pas les testicules, hein. Testostérone, c'est la capacité à un homme d'avoir le self-confidence. C'est-à-dire, au point de ne pas stresser son environnement. C'est ça, on dit, tu es garçon. Un homme qui kiffe que sa poche est lourde, est capable d'avoir un testostérone élevé, est capable d'avoir un high self-confidence, que celui qui a moins de moyens. C'est une évidence, mais ce n'est pas... Un homme qui est en santé physiquement, est un homme qui peut avoir le self-confidence. Un peu plus que celui qui est malade. Un homme qui est sexuellement actif peut avoir un high self-confidence que celui qui est sexuellement faible. Et etc. etc. Les femmes le plus souvent cherchent les hommes qui ont un high self-confidence. Capable de faire un certain nombre de choses. Si tu alignes 10 filles et tu les demandes, et tu alignes 10 garçons également, tu leur demandes que chacun choisisse un garçon parmi les 10. Free will. To spend 1 month. Ça dit pour passer 1 mois avec eux. Tu serais surpris qu'au moins ces 5 filles vont aller vers un seul garçon. Donc, il y a 10 garçons, 10 filles. Mais il y a un garçon qui va attirer plus de filles que les autres garçons. Ça n'est pas forcément le plus beau. Peut-être que le plus beau peut avoir sa part. Mais il y en a qui peuvent avoir, surtout si... Il y a des petits, ils se connaissent dans une vie antérieure, ou bien ils ont la possibilité de faire des recherches sur ces garçons-là. Tu serais surpris qu'il y a des garçons qui vont partir de là sans copine. Et pourtant, il y avait 10-10. Donc, même comme on nous explique que le monde, il y a plus de filles que de garçons, ce n'est pas tous les garçons qui, malheureusement, vont avoir déjà de filles qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas le cœur, ils ne dégagent pas ces ondes positives pour attirer et garder ce genre de filles qu'ils veulent. Souvent, certains hommes sont obligés d'attendre que leur frère meure pour qu'il puisse profiter de sa femme. Parce que la tradition dit que
you should marry your brother's wife. If he's dead. Donc, ce n'est pas malheureusement tous les hommes qui s'équipent de façon à pouvoir sécuriser la femme qu'il veut. Pour certaines femmes, toutes les femmes veulent de l'argent. Mais à côté de l'argent, il y a le physique qui compte. Il y a le charisme. Le charisme. Quand vous voyez quelqu'un qui a le charisme, vous pouvez détecter que non, ce gars a le charisme. Donc, Dieu ne peut pas tout te donner. Le plus souvent, les filles qui sont les beaux gars pour aller vers les gars qui ont le charisme. Parce que tout, c'est une affaire de temps. Au départ, tout le monde peut partir pour le gars qui est beau. Mais un mois après, certains gens vont plier bagage pour aller vers le gars qui a le charisme. Parce que tout le monde veut se sentir à l'aise à côté de quelqu'un. Et c'est le cas avec les femmes. La formule de la femme, c'est je veux me sentir bien. Quand la femme est bien, quand la femme se sent à l'aise, non. Même si le monde s'écoule, elle n'a pas de problème. Donc si j'étais toi, jeune ami, je vais travailler pour augmenter mon charisme. C'est ça qui paye. C'est ça qui attire. Et si j'étais toi, jeune femme, je devais cesser de raconter les choses de woman rights, woman ceci, woman cela, woman ceci, non. Les hommes aussi cherchent une seule chose chez la femme. Self-awareness. Une femme qui est consciente de ses potentiels, qui n'est pas obligée de jouer les rôles, est une femme que naturellement va garder les hommes, va attirer les hommes. Mais malheureusement, souvent c'est notre société qui a formé les femmes de telle sorte qu'elles sont toujours en train de jouer la prétentieuse rôle de soumissif. Et pourtant, il n'y a rien dans la coquille. Elle fait ça seulement, c'est comme les effets de window dressing, donc c'est comme les window blinds. Elle met ça seulement pour prouver qui elle est en réalité. Et quand l'homme découvre que tu es une femme, tu ne respectes pas l'homme. On avait déjà fait notre dernière vidéo, on parlait de ça. Voilà là où l'homme fut. Je veux défendre your own red flags. What is red flags? It's not necessarily red flags. Redefine submissiveness. Because what is submissive is not necessarily submissive. J'espère qu'on s'entend et qu'il nous arrivera des choses bien. Merci à Artine qui nous a proposé le sujet. Et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prends soin de toi et bien le bonjour.